Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Allez, santé, bien-être de votre habitat, de vous, de votre habitat, c'est du général, vous faites bien 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 preuve de discernement. Je prends ce magnifique oracle et on y va. Alors, habitat, message carte et ensuite mon écrit. J'espère que vous vous portez tous et tous très très bien. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées. Merci aux anciens, aux anciennes, bienvenue à tout le monde. Merci pour votre participation, présence, peu importe quelle qu'elle soit sur la chaîne. Merci, 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 merci. Allez, santé, bien-être de votre habitat, de vous, de votre habitat, que de votre habitat, que de vous et de votre habitat, ou de vous, dans votre habitat. On va aller voir. Bon. Alors, ici, déjà, j'ai... là. Durant ce mois-ci... On va voir. Alors, avant la fin du mois, je vois un déplacement. Il va y avoir quelque chose qui va... Alors, soit vous allez vous déplacer vraiment, c'est vraiment un déplacement, ou alors c'est des choses qui bougent, liées à votre habitat, avant la fin du mois. Il y a des choses, en tout cas, qui sont en cours, qui sont en préparation. Je me mets un petit peu sur le côté. Alors ici, je vois, continuez, on vous recommande de continuer. Enfin, ouais, je pense que vous avez fait beaucoup d'actions. Alors les actions, ça peut être des actions vraiment. Ou alors des prières, des demandes, des souhaits. Il y a beaucoup de choses qui sont en cours, hein, liées à toutes les actions que vous avez mises en place. Tout bouge, peut-être que c'est des choses que vous ne voyez pas, mais tout bouge sur la situation. Il y a des choses qui sont en cours, il y a des choses... Vous êtes en attente, là, vous êtes en attente. Donc patientez. Je vois un coup de téléphone qui va arriver à vous. Vous êtes très protégé. La patience, d'être en patience, ça vous protège aussi. De patienter, ça vous protège. Il y a des choses qui sont en cours. Il y a un appel qui va arriver qui s'est protégé. Il y a des choses qui bougent. Alors, si c'est un vrai, vrai déplacement, vous êtes protégé sur le déplacement. Si c'est pas un déplacement, c'est des choses qui bougent sur la situation. Vous êtes très protégé durant tout le mois. Pour moi, il va y avoir une bonne nouvelle sur la situation. Une bonne nouvelle liée sur votre situation pour vous et votre famille. C'est de l'administratif qui est très protégé. Alors, je vois que vous avez fait des actions. Vous avez peut-être renforcé vos actions administratives par des prières, des demandes, des souhaits. Faites un temps mort. Peut-être qu'il y a eu un temps mort aussi dans l'administratif. Alors, soit volontaire, involontaire de votre part ou de l'administratif là où vous l'avez fait. Il y a eu un temps mort. Il n'y a peut-être pas eu un retour. Et là, vous allez trouver un soutien. Il y a quelque chose qui va réussir. Il y a une bonne nouvelle. Vous allez trouver du soutien pour vous et votre famille. Vous avez peut-être fait de l'administratif pour une renaissance. Dans un tout nouvel habitat pour moi. Ouais. Il y a de l'administratif qui a mis fin. Là, vous êtes en patience, en temps de pause et vous allez trouver une aide. Vous avez mis fin à un ancien logement. Ça peut être un... Voilà. Vous avez peut-être vendu. Vous avez peut-être mis une fin sur une location, sur une...
Vous avez vendu, etc., etc., etc. L'administratif et la fin est très protégé. Le renouveau aussi est très protégé sur un temps limité. Avant la fin de la journée, il y a un appel pour moi. Lié à l'administratif, il va y avoir une bonne nouvelle pour un renouveau. Après une fin, vous avez... voilà. Il y a quelque chose soit qui va se libérer, ou alors vous allez avoir une opportunité. Quelque chose de... Oui, regardez, vous allez avoir un gain financier aussi. Soit l'administratif va vous rapporter un gain financier. Alors, ça peut être cet administratif-là ou alors un autre. Peut-être dans la fin, vous allez récupérer un gain financier, c'est possible, hein, si c'est une vente ou tout autre. Ou alors, c'est un gain financier qui arrive après une fin. Pour vous aider, vous soulager, pour que vous puissiez débuter un renouveau autre part. Pour vous et votre famille. Il va y avoir, ça peut être le gain financier, ça peut être imprévu avant la fin de la journée aussi. Hein. Vous pouvez être un homme 30 ans et plus. Cet hiver, il y a une bonne nouvelle. Hein. Il y a un, voilà. Il peut y avoir une fin cet hiver aussi sur une situation, sur un habitat actuel. Pour avoir un renouveau dans un durant le printemps. Voilà, si rien n'est clôturé encore, voilà. Ça peut être une fin cet hiver sur un habitat actuel pour renaître dans un tout nouveau lieu de vie. Et pour moi, ça peut être au printemps. D'accord? Si, voilà. Cet hiver, par contre, il peut y avoir un gain financier qui arrive à vous. Dans le lieu actuel, vous avez peut-être eu beaucoup, beaucoup de soucis, peu importe quel qu'il soit. Attendez-vous à l'inattendu, il y a des choses très surprenantes qui vont arriver à vous, qui peuvent vous laisser bouche B, ou Z, ou, ou C. La bouche, c'est. Allez, je partage. Alors. Je peux avoir un lieu. Alors, ça peut être un lieu, ça peut être une entreprise, ça peut être... Ça peut être un lieu. Je dis lieu. Mais parce que c'est du général, mais ça peut être beaucoup, beaucoup plus large que ça. Hein. Si le message vous parle pour un... Là, ça peut vous parler pour un appartement, pour une maison, pour une entreprise, etc., etc., etc. Alors, c'est du général, vous faites bien preuve de discernement. Je vois un lieu, pour moi, où vous allez pouvoir tout. Vous allez pouvoir tout embellir. Vous allez pouvoir embellir le lieu. Vous allez pouvoir embellir le lieu. D'un grand coup de fraîcheur. Un grand coup de fraîcheur sur le lieu. Tout embellir. Vous allez réussir à tout embellir. Un grand coup de fraîcheur qui va embellir ce lieu. Vous allez pouvoir le faire, réussir à tout embellir dans ce lieu. Il va y avoir un grand coup de fraîcheur. Ah oui, oui. Là, c'est même plus le grand coup de fraîcheur. Là, c'est le... un grand coup de frais. Alors... Et ça sera pour vous et votre clientèle. Donc ça peut être aussi un magasin, ça peut être un magasin aussi. Donc un grand coup de fraîcheur pour vous et votre clientèle. Et
Vous allez pouvoir donc embellir, apporter un grand coup de fraîcheur et vous allez avoir plus de clientèle. Une augmentation de votre clientèle sur votre situation. Peut-être qu'actuellement, ça stagne. Il y a une stagnation dans le lieu, l'entreprise, le magasin où je peux me trouver, il peut y avoir une stagnation. C'est comme une stagnation, ça stagne. Alors, pour moi, il peut y avoir, il n'y a plus de nouveautés dans le lieu dans lequel je suis. Peut-être que vous êtes sans nouveautés. Vous n'apportez plus un gramme ou une touche ou une grande touche de nouveauté, en fait. Pour moi, vous n'apportez plus en quantité suffisante de la nouveauté. Et donc, il n'y a plus un vent de fraîcheur qui se met sur le lieu. Et donc, pour vous et peut-être votre clientèle, en fait, il n'y a plus rien d'excitant. Vous voyez, il n'y a plus la petite touche qui excite, qui fait... voilà. Peut-être que vous ne pouvez pas apporter toute cette nouveauté, embellir, apporter de la nouveauté, embellir, tout embellir, apporter de la nouveauté, peu importe quelle qu'elle soit, mais c'est aussi peut-être apporter de la nouveauté par de l'embellissement, un gros coup de fraîcheur. Peut-être que vous pouvez pas, peut-être que vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez peut-être pas le financer. C'est possible. Et pour moi, là, il y a toute la nouveauté. Il n'y a plus de nouveauté en quantité suffisante et ça stagne. Et il n'y a plus le petit truc qui excite. Vous voyez, le petit truc excitant, la petite touche excitante. De votre lieu, de votre, voyez, de ce que vous faites comme travail aussi, ou voilà.
je peux avoir. Voilà, vous n'avez peut-être pas le financier, mais le financier pour apporter pour moi la nouveauté, la touche de nouveauté. Et ça peut être juste un embellissement, hein. Un embellissement, un gros coup de fraîcheur, un gros coup de peinture, mais ça peut être tout autre aussi, hein. On peut être sur toute autre chose. Je peux avoir une rentrée financière qui arrive. Et vous allez pouvoir embellir. Apporter un gros coup de fraîcheur. Mais pour moi, c'est par cet embellissement. Mais il peut y avoir aussi à vouloir apporter de la nouveauté. Mais de la nouveauté, ça peut être un changement. De la nouveauté, ça peut être changer la place des. Enfin voilà, je sais pas moi. Si vous avez par exemple, c'est un magasin, si vous avez une caisse ou je sais pas. En fait, ça peut être un changement de place de votre caisse. Voilà, il peut y avoir un changement de disposition. Tout ce que vous avez disposé dans ce lieu, un changement de. Voilà, vous allez changer tout ce que vous avez disposé. Mais c'est pas changer, pour moi c'est juste le changer, le bouger. Vous voyez, il peut y avoir du mouvement à ce niveau-là. Et après, il y a une rentrée financière pour que vous puissiez embellir. Il y a un gros coup de main qui va arriver sur la situation pour que vous puissiez. C'est vraiment un coup de fraîcheur. Voilà, c'est remettre. Mais juste pour moi de mettre déjà une couche. Ah, vous voyez, une couche de fraîcheur. Donc c'est une couche de peinture pour moi. Hein. C'est la couche de peinture. Un coup de peinture, un coup de fraîcheur, ça va embellir. Ça va embellir et ça va attirer. Ça va attirer plus des clientèles. Ça peut être juste un coup de fraîcheur qui va. Ça va apporter, vous voyez, un petit coup de fraîcheur comme ça. Ça va apporter une excitation. Une excitation différente de vous, de vos clients, de toutes nouvelles énergies en fait, hein. Ça va être bon pour vous, ça va être bon pour vos clients aussi. Et donc là, j'ai une rentrée financière qui va vous aider à mettre ce coup de fraîcheur. Et pour moi, vous allez redisposer. Voilà, c'est ça. Vous allez redisposer le mobilier. Alors après, c'est voilà, hein, ça dépend ce que vous faites. Ça peut être des étagères, ça peut être voilà. Mais il va y avoir un coup de tout va voilà. Ça peut être voilà. Ça va apporter une toute la nouveauté. Juste de bouger aussi les choses, ça va apporter une nouveauté. Et j'ai une rentrée financière déjà pour que vous commenciez déjà par ça, par le coup de fraîcheur. Ça va vous remettre une. Vous allez être excité. Et j'ai voilà, après ce vent de ce coup de fraîcheur, non, le coup de peinture, le coup de fraîcheur. J'ai une augmentation de votre clientèle. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Positivement. Il va y avoir que du positif, hein. Et vous allez sortir, voyez, des stagnations. Pour moi. Vous voyez, actuellement, vous n'avez pas de plaisir. Voilà, vous avez une perte de plaisir. Mais ce que vous pouvez perdre, peut-être que vos clients le perdent aussi. C'est possible. Vous allez renaître. Vous voyez, le lieu dans lequel c'est, ça va renaître. Un coup de fraîcheur, un coup de peinture, et ça renaît.
Vous allez avoir beaucoup d'équilibre. Vous voyez, il y a un retour à l'équilibre. Là, il y a peut-être des choses qui ne nous font pas plaisir liées. On perd l'équilibre, on perd de la clientèle, il y a moins de nouveautés, il y a moins des choses qui chamboulent le cœur, des choses qui excitent en fait. Mais même par la vue, hein, juste par la vue. Hein. Parce que là, le coup de fraîcheur, c'est le coup de peinture, c'est le coup de fraîcheur. Et c'est ça qui va. Je vois beaucoup d'actions. Beaucoup d'actions que vous avez fait. Beaucoup d'actions que vous avez fait. Dans ce lieu, mais ça a pas porté ses fruits. Et là, pour moi, en fait, c'est par ce coup de fraîcheur que ça va. Pouf, ça va décoller. Hein. Il y a de la stagnation ou vous stagnez, hein, c'est possible. Et c'est par une. En fait, il y a. J'ai. Il n'y a plus de nouveauté en quantité suffisante. Donc là, la nouveauté, ça va être par un coup de fraîcheur, un coup de peinture et aussi. Tout bouger. Absolument tout bouger. Tout bouger les meubles. Changer, transformer. Voilà, sans. Mais déjà de faire ça. Vous êtes surprotégé sur la situation, le lieu dans lequel vous êtes. Sur un temps. Avant la fin de la journée, vous pouvez. Enfin, dès que tout ça sera mis en place, vous pouvez avoir beaucoup plus. Il y aura beaucoup plus d'appels sur votre situation. Vous allez avoir beaucoup plus d'appels de clients. Ça va attirer. Vous voyez, ça va réattirer en fait. Et bien sûr, après, au fil du temps, vous apporterez toute la nouveauté que vous pourrez apporter. Mais déjà, ça va. Au niveau du chiffre d'affaires, il va y avoir un rebond. Et par rapport à ce rebond, pour moi, après, vous pourrez apporter de la toute autre nouveauté. Encore plus de nouveautés. Mais là, c'est pour faire repartir. Pour moi. Voilà tout ce que je pouvais partager avec vous. C'est un réel plaisir, bonheur pour moi. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires sur la vidéo, à vous abonner si c'est toujours pas fait, que vous désirez le faire. Je vous souhaite une merveilleuse journée. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Je vous souhaite une merveilleuse journée. À bientôt.